Comment fonctionne votre cerveau? Les neurosciences en bref. Les neurosciences, c'est la science qui étudie tout ce qui se passe dans votre tête, votre cerveau et votre système nerveux. En gros, elle nous explique pourquoi vous réfléchissez, apprenez ou ressentez des choses. Et tout ça, c'est possible grâce à de petites merveilles dans votre cerveau, les neurones. Les neurones, les messages du cerveau. Votre cerveau contient des milliards de neurones, des petites cellules qui s'envoient des messages ultra rapides. Ils envoient des messages pour tout ce que tu fais, bouger, réfléchir, apprendre, ou même sentir une odeur. Ce qui est incroyable avec ton cerveau, c'est qu'il peut changer et s'adapter tout au long de ta vie. Grâce aux neurones, il apprend de nouvelles choses, s'organise différemment, et s'améliore, même quand tu grandis ou vieillis. Cette capacité magique, on l'appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau, c'est une machine incroyable. Grâce à la plasticité cérébrale, il peut changer, évoluer et s'adapter, quel que soit votre âge. Apprendre une nouvelle langue, relever un défi, même à 70 ans? Aucun souci, votre cerveau est prêt. Et c'est cette capacité qui rend les neurosciences si passionnantes pour l'éducation. En éducation, les neurosciences nous montrent que chaque cerveau est unique. Certains apprennent en écoutant, d'autres en bougeant, et c'est tout à fait normal. Le secret, c'est de trouver ce qui fonctionne pour chacun. Mais pour que le cerveau apprenne bien, il a besoin d'un autre élément clé, des émotions positives. Les neurosciences nous rappellent que les émotions sont essentielles. Un enfant stressé apprend moins bien, mais un simple « bravo » peut booster sa motivation et activer ses neurones. Et pour aller encore plus loin, il existe une autre méthode puissante pour engager le cerveau, le jeu. Enfin, les neurosciences montrent que le jeu est un outil génial pour apprendre. Ça rend le cerveau plus actif et motivé. Alors, pourquoi ne pas apprendre en s'amusant? Tout cela nous prouve que comprendre le cerveau, c'est essentiel pour apprendre et enseigner efficacement. Les neurosciences nous aident à mieux comprendre notre cerveau, pour apprendre et enseigner de manière plus efficace et positive.